Must give hope to get it. Bonjour. Bonjour, c'est le retour. C'est le retour sur Darkest Dungeon 2. Parce que voilà. Moi, il s'est écoulé un jour. Vous, sûrement plus. Depuis la dernière vidéo. J'ai eu un peu l'occasion de réfléchir. Et pour, c'est vrai que je suis encore très curieux. Mais j'aime bien ce que fait le jeu. Parce que c'est vrai qu'en fait, après réflexion, si tu refaisais un jeu sur le même, vraiment sur la même base, même structure que le 1, c'est difficile de pas justifier ça sous forme d'un DLC, quoi. Et ça, donc, on peut pas, hein. Définitivement, c'était pas un truc de VMAX, parce que le VMAX, c'est là. On refait ça parce qu'on l'avait fait. Je sais plus si on avait fait un autre truc. Si, on avait enlevé un kink. On avait enlevé ça, je crois, hein. On avait enlevé ça. Alors, bon... Qu'on se mette bien d'accord, de toute façon, quand le jeu sortira en version définitive, je referai une save. Donc par exemple, c'est vrai que Baristan, je compte le renommer à terme. Dismas, je pense que je le laisserai Dismas parce que c'est Dismas, quoi. Il y a toujours cette question d'ailleurs sur le fait que qu'est-ce qu'il arrive si mes personnages meurent. Est-ce que je peux les améliorer d'ailleurs? Non, je peux pas les améliorer, il faut que je le fasse dans une auberge. Je crois que c'est dans une auberge uniquement. Comment je peux voir ça là? Ouais, non, je peux pas. Je peux définitivement pas. Bon, ok. Bah, très bien. Bah, partons, hein. Il y avait ça, mais on n'a pas compris. Ah oui, et là, on voulait aller. Il y en avait deux qui étaient contents et deux qui étaient pas contents. Ou c'était avant, ça? Je sais plus. Quoi, tous ces tics arrêtés? Non, non, t'énerve pas, hein. Putain, mais elle a énervé. Le monde tout autour de nous. Mais je lui ai enlevé. Mais ça avance tout seul. Attendez. Comment ça? Non mais attendez, c'est honteux là ce qui se passe. Je lui ai enlevé son tourment. Normalement elle est censée plus être grincheuse, elle est juste être censée être obsédée par la mort, elle voit des morts partout. Pourquoi tu t'enjailles pas? Pourquoi tu énerves tout le monde? Je sens que ça, cette partie-là, elle va vraiment me faire plaisir dans le jeu. Hein. Donc on a vu qu'on pouvait loot des trucs. Hein. Tant qu'on peut loot des trucs qui ne sont pas des ennemis, moi ça me va. Hein. Ok, tiens, là on voit que ça rejoint. Comment je vois la map déjà? C'est là? Ah ouais, et d'ailleurs je vais avoir un double choix de chemin, il faudra que je parte vers la cache. Même s'il y aura sûrement un... Non. Sûrement un combat entre-temps. Tant pis pour les caisses. Pour les caisses, les désespérés. Alors là, on a Dismas et Corvo qui. Ah non, Dismas qui dit ça va, mais Corvo ce qui dit ça ne va pas. Bon, gardez-en un vivant. J'ai une théorie. J'ai une théorie à investiguer. Il faut que je vérifie une théorie. Voilà, j'ai besoin d'un corps à étudier. Le corps du mec avec le bras cassé là, non. Nous pouvons bien aider un peu. Alors c'est vrai que là c'est full ressources. Food loot, du loot mixé, une relique, des chances de trinket. Le seul truc c'est que Dismas va lui en vouloir. Est-ce que nous on est des good guys? Ouais mais là ça augmente... Ah oui ça baisse le feu, non, ok. Non non mais on augmente le feu. Hein. En plus ça plaît à tout le monde. Vas-y on augmente le... Enfin ça plaît à... Non lui il est pas content? Parce que quand même... Pour devenir nos alliés sur le long terme. Bah oui, voilà. Enfin non, en vrai on s'en fout, mais c'est pas grave. On va quand même les aider, je veux dire... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je... J'ai accès à la cloche? Ah mais ouais. La cloche. C'est mort. Ouais, la cloche. Hein. La cloche. Baristan, il a pas d'avis. Sinon, tous les trois, ils veulent faire un truc différent. Bah, Lara nique, hein. Voilà, il n'y a pas des... Quoi? Restless souls thrive in chaos they create. Oh putain. Wow. Yes. Qu'est-ce qui se passe du coup? Relation. Trouble. Ah ils s'entendent pas bien. Oui, ils s'entendent pas bien, j'ai compris. Mais ça veut dire, c'est-à-dire, dis en plus. Bon, dans une autre dimension. C'est bien, on lui a enlevé un truc pour qu'elle en regagne un. Quand elle a du stress... Quoi?
Bon, ça augmente de 8 de speed, ça c'est bien. Mélange 30%. Parce que, attends, donc, quand elle gagne du stress, il y a 33% qu'elle soit confuse. Donc c'est la merde. Parce que confusion, enfin au vertige, je crois. Donc le vertige, c'est elle agit pas pendant son tour ou voilà. Détruit une marque positive. Bah, juste nique, hein. 3 PV sur 32 aussi, hein, au passage, mais... Mélange 30%, ça je sais pas, ça j'avoue, mélange. Je peux pas voir le détail, mélange. Yes. Et donc ça, c'est bien, ouais, c'est bien la speed. Hein. Confirmed. Bah yes, hein, on est content. Femme que 4... Ouais, Baristan, ouais, c'est... Voilà. C'est encore... Ah, Baristan, lui, il est dans la schizophrénie. On est 4 cercueils, mais je suis content de vous avoir, bordel. Enfin, 4 cadavres dans un cercueil, pardon. On n'a pas la, on a même pas la, pas la thune pour 4 cercueils. Bah, let's go. Du coup, je choisis. J'ai la plus intelligente, mais la sagesse n'est pas au cursus. Coup dur. Bon, en vrai, du coup, on sait que ça nous donne des spells. Et la vérité, c'est que en vrai, pour, du coup, j'ai réfléchi à ça aussi. Les spells qui m'intéresseraient, les spells qui manqueraient là dans cette compo, parce qu'en vrai, la compo qu'on a de base, elle est pas dégueulasse. Notamment avec le fait que le médecin de peste, il soigne pas juste 2 PV, quoi. C'est pas comme avant. Mais du coup, ce qui me manque, c'est la riposte pour l'homme d'arme. Et le coup de pistolet là au corps à corps, le tir à bout portant pour 10 masses. Et j'avoue que le tir à bout portant, si on pouvait le débloquer là, ce serait incroyable. Hein. Donc on va tenter 10 masses. En plus le bandit, ça reste une bonne classe. Dans tous les cas. Enfin toutes les classes sont bonnes. Bref. Liberté. Chapter 1. Freedom. Ah mais de toute façon c'est vrai qu'on joue pas, on a rien à jouer. À chaque fois je me dis il faut qu'on joue un truc, mais non. Prison riot, a fleeting chance to escape incarceration. J'adore quand le jeu il me donne raison. C'est toujours bien. Donc on peut se battre aussi dans ce genre de truc. Ok. Mais j'ai. C'est quoi ces nouvelles attaques là? Nouvelle règle, nouvelle stack, missile de pierre. Ah, ça retire un truc, mais on s'en fout. Avancée de 3. Ouais, mais ça le shield. Ah, je joue deux fois. Bon, allez, bam. Coup de genou? Coup de genou là? Paf! Ah, par contre, tu l'as pas esquivé. Ah, mais au lieu de prendre 6. Ah, d'accord. Ok, je viens de comprendre enfin ce que c'était le numéro barré. C'est que c'est les coups que je devais prendre et du coup réduit avec l'armure quoi. Évidemment l'esquive, ça c'est quoi? Je prépare à sonner l'alarme. Comment ça classe? Attendez, comment ça classe? J'ai gagné l'esquive, c'est la classe qui m'a donné ça? Bon ça doit être un truc scénarisé, on va dire que c'est un truc scénarisé. On va pas se donner de faux espoirs pour l'instant. Ça m'a donné quoi? Oh plus d'esquive. Ah ouais. Allez, meurs toi. Allez, un PV. Le 1 de vital. Bah, bon, toi t'es mort prochain tour, de toute façon. Et boum. Non, parce qu'en vrai, ouais, le système de combat reste le même, mais ils ont refait tout le moteur ou toute l'interface en tout cas. Ah ouais, merde, il faut que je recule. Comment je recule? Putain, je peux pas reculer, ils m'ont pas touché! Oh non! Oh, il aurait fallu que je me déplace avant. Ah non. Ah, du coup, il va sonner l'alarme. Bon, normalement, ils sont 4, ils peuvent pas être plus de 4. Je gagne pas 2 boucliers. Ah si, si si. J'ai 2 utilisations bouclées, donc ça va. Enfin, ça va... Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va, ouais.
Bon, ça fout juste du stress. On a vu pire. Voilà, toi tu meurs. Toi tu casses pas les couilles, tu meurs. Un petit crit ça aurait fait plaisir. Je vous avoue, un petit crit là, ça m'aurait fait plaisir. Merci. Allez, s'il te plaît. Ah non, bah non, pas besoin d'esquive. Ah mais là il fait le connard là. Là je reconnais, il fait le connard. Est-ce que je me déplace et j'envoie un caillou? Putain, c'est chiant. On va faire ça. On va faire ça, mais en vrai, je suis un peu mal quand même. Toi, tu meurs. Ouais. Ou alors, je mets un x3 en esquive. Ça se fait pas de dégâts, cette merde. En fait, le problème, c'est ça, c'est que ça fait pas de dégâts. Ouais, voilà, merci. Merci, s'il te plaît. Avec mon super dodge, là. Non. J'allais faire le con. J'allais faire le coup de genou avant. Enfin, la frappe avec feinte, plutôt. Hop là. Que de là je peux faire ça. Putain, je peux pas faire ce move. Voilà, parfait. Hop, et là, le coup de genou. Zbra! Sauf s'il fait un crit, c'est win. C'est bon. Ouais, en vrai, même s'il faisait un crit, c'était win. Bah, c'est win, à condition que je le. Oui, non, mais si, je le finis. Là, tu lui fais 3. Voilà, 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 voilà. Voilà! Would be a fugitive, a hunted man, but a free one nonetheless. Ça c'est bon, ça, ça, ça par contre, ça j'aime ça, ça. Le petit tir à bout portant là. ouais. Là on a des dingueries à faire là. Alors, ça on s'en fout. On va prendre ça. Comment ça, 57? Ouais, là. Ah bah, ils veulent tous aider les gens, c'est bien. C'est bien, aidons les gens, voilà, regardez, je prends votre... Je suis d'accord avec vous. En fait, le problème, c'est que moi, je vais vouloir faire mon routing sans tenir en compte leur avis. Mais... Oh là là! Après, peut-être qu'il faut que j'améliore ma diligence pour qu'il râle moins. Ce serait peut-être bien, ouais. Ouais. Alors, rencontre dead. Pas de combat, hein. Ça se passe bien. Au moins, Lara Croft, elle a pu récupérer des PV. Alors... A priori, il n'y a personne qui réagit mal. Les vrais héros choisissent de donner quand les ressources manquent. Nous avons besoin de faire levier. Ah, plus 3 de stress, ouais, ça c'est moi. Nous pouvons marchander avec le peu que nous avons. C'est proche au niveau des récompenses. Notre assurance les rassurera. Ouais, au moins 25 de torches. Ça me donne de l'équipement de... Ok, alors. On va prendre Lara. +32. Oh ouais. Ok. Il faut que je regarde plus ça aussi, hein, parce que c'est vrai que je regarde pas assez. Breloque flou, +1 de speed. C'est où? C'est là. On va mettre ça sur qui?
sur Dismas. Ça me paraît pas mal. Je suis à 3 points de maîtrise. J'ai plus... Ah, j'ai que 4 reliques par contre. C'est pas ouf, tiers. Je sais pas si... Je sais pas comment ça marche. C'est automatique du coup. Mais ça, si ça se cumule par contre. Le malaise, hein. Ah, mais. Ça doit se consommer automatiquement. Attendez. Là, je suis à 36 lieues. Les deux là ils sont en full bagarre. Non mais ça se... Si elle vient de consommer un truc mais ça va pas consommer là. Ma foi. Bon. Non je peux pas le mettre. Last espoir, ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'on l'appelait comme ça notre diligence, ouais, je me rappelle. Bon. Arrêtez de me faire... Mais putain... Oh, Corvo, Corvo, hein. Corvo, il est... En fait, c'est Corvo, c'est un... Il est insupportable, hein. Enfin, elle, parce que c'est l'âme de Tempest à la base, mais bon... j'ai appelé Corvo. Une main mineure peut avoir un impact majeur. En ce qu'il peut nous donner en échange de reliques. Non, mais on a plus d'argent. De la boue. Non mais en plus ça là les deux ils sont contents. Non on prend ça. Plus 15 de flamme. Négatif token. Ça je comprends pas hein. Ça par contre j'avoue que j'ai encore du mal à comprendre. Après l'eau bénite normalement ça te vire tes debuffs quoi. Ou et ça là, le truc de def. Ah c'est combo je crois. Si la target brûle. Oui bah boum en tri-brûlure. Oui. Du coup logique oui si la target brûle bah elle brûle plus quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je peux cliquer sur eux là encore? Combat? Ah oui, j'ai débloqué des objets. Tiens. Et c'est qui qu'on veut éviter à qui on veut éviter la brûlure, toi? Ah non, toi t'es déjà un objet. Ah du coup l'objet, même si on l'utilise, c'est bon? On l'a pas utilisé l'objet. C'est pas un objet que j'avais utilisé? Je suis pas sûr, c'est pas clair. Stop. Sors de là. Oh, ils prennent full stress et il y a un combat, je les déteste. Voilà. Donc là, ce tour-ci, elle a le vertige parce que voilà, elle aime bien la vie. Hein. C'est toi qui joues en premier. J'aurais pas dû viser lui, hein. Mais bon. C'est pas grave. Pas grave. On va dire que c'est pas grave. Pourquoi bloquer par condition? C'est quoi la condition qui bloque, là? C'est qu'ils se détestent? Je vois que ça, hein. Et pourtant, ça, tu peux, hein. Yes, parfait. Petite riposte, là. La petite riposte. Ah, par contre, on a tous les deux gagné un combo, là. Mais ça a rien déclenché. Ah si, ça a déclenché un saignement. Est-ce que c'est la... Du cap, je plaisante. Résistance. Il lui a vraiment... Non. Il lui a vraiment pas lancé. Une fiole dans la gueule. Mais putain, je les déteste. Alors, il râle pas. C'est miraculeux, il est pas en train de râler. Ça, c'est de la coopération. Merci. Merci de bien vous entendre. Je ne sais pas pourquoi, là, ça marche et... Ouais, bon, forcément, du coup, mon tir à bout portant, voilà. The work continues. Bon. Au moins, j'ai perdu le saignement.
Tu perds les altérations du coup d'état pendant, après les combats. Bon à savoir. Ah, ma flamme, ma flamme. 75. Lumière faible. Ouais, mais je peux pas la... Je peux pas la up. Hein. Putain. Oh, ils sont vraiment... C'est Corvo, Corvo et Lara Croft. T'es... Pourquoi est-ce que c'est les deux persos renommés qui posent le plus de problèmes? Pourquoi? Et regroupez-vous et poussez! Les grands feux démarrent souvent doucement. Les vrais héros choisissent de donner quand les ressources manquent. Ça, c'est bien, ça. Après, ça me rapporte... C'est vrai qu'en vrai, le mieux, c'est ça. Y'a rien qui est déta... Ouais, vas-y. Abandoned or forgotten. It is ours now. On perd 6 de thunes, mais on gagne ça. Objet de combat. D'accord. Ça, ça soigne tout. Élimine les cadavres, ça c'est bien. Tout pratique. Et du coup, on peut mettre un objet à 10 masses. Tiens. C'est cadeau. Elle est 24 lieues. Hein, vous le voyez. Si vous le voyez. En vrai, vous le voyez là. 23. Avant qu'on arrive. Ah, Dismas, commence pas là, les trigger pas là, ils étaient calmes. Ils étaient tout gentils. Ils avaient oublié, ils oublient qu'ils étaient testés là. Non mais en vrai, le stress là, c'est insupportable à gérer. Hein. Ça va être... ça me paraît bien plus compliqué que dans le 1. Je sais pas trop. Après, en vrai, le problème, c'est que j'ai aussi envie de tester, de voir ce que fait la mort. Comment ça... Qu'est-ce qui se passe si un de mes personnages meurt? You will fight so that others may flee. Bah ok, hein. Faisons le donjon du général. Pas de limite de tour là? Apparition. Ok, la cible c'est ça. D'accord, ça résiste au déplacement. Les ennemis doivent attaquer 7 cibles s'ils en sont capables. Putain. Ah putain. Commencez pas. Toi ça te déconse. Oui. Ah. Je peux jouer avec Dismas? Vite. Ah ouais non ça avance ça. Tant pis on va leur virer les parades hein. C'est quoi comme effet? C'est pas étourdissement hein. Ah c'est un malus du coup, c'est considéré comme malus. Nice. Boum. J'aime trop leurs animations par contre. Hein. Les animations sont vraiment trop stylées. Hein. Et lui regagne le taunt. Super, on adore. Il a combien de résistance? 30 hein. Ouais. Hein. Ouais. Merci. Ok. Non, 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 ça. Ah, du coup, mine dégâts, divisé par deux, ouais. Oh, on n'apprécie pas trop de... Ouais. Ouais. Putain mais ils résistent à chaque fois. Oh, ils sont pénibles hein. Ils ont 70% de chance de le prendre dans la gueule hein. Mais bon.
J'aurais dû lui mettre les dégâts en vrai. J'hésitais à mettre des dégâts sur lui et j'aurais dû faire ça. Au lieu de tenter le Blight. Toi deux. Ah ouais, non mais. Donc même si. Oh, faudrait que je te fasse 3 de dégâts. Si je te fais 3 de dégâts et que je te le mets, t'es mort. Ah mais je peux pas parce qu'il faut que je focus lui forcément à cause de l'autre connard. C'est vrai que ça traverse la mur ça, normalement. Si ça a pas changé. Par contre il est vraiment à Death Door lui. Voilà, au moins toi aussi. Au moins ça en fait 2. Saloperie! Meurs au bout d'un moment! On s'est dit que ce serait plus marrant si on rajoutait le fait que les ennemis aussi pouvaient. Elle veut pas? Ah ouais, il veut vraiment pas? Elle veut vraiment pas heal? Ah ouais, c'était cool hein! Ah, toi c'est. Ah, c'est bon là, c'est bon, d'un moment. Un moment là. Ça fait mal quand même. Hein. Ça fait un peu mal quand même. Hein. Ouais, Death Door. Ah, du coup, il fait moins de dégâts. Ça, c'est cool ça aussi. Ouais, ouais, focuser celui qui va mourir. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Animus grows. Proportion to mounting pressure. Non, c'est celui-là qui te revenait. Tu vois, celui que t'arrives pas à tuer là. Pourquoi il a pas pris de saignement? Non, je sais pas pourquoi il a pas pris de saignement. Hein. C'est bon, ils sont. Non, c'est bon. Personne qui râle, on sait jamais. Hein. Maintenant, j'ai peur. Je sais pas quoi taper, je sais pas, vas-y tape ça. Tape ça comme ça on fait le double avec elle. Ah quoi qu'en vrai je peux focus direct lui moi. Donc ouais. Bon oui il prend rien, oui bah oui mais. Bon. Ça a été debuff ça? Enfin ça a été nerf? Vrai. La mort avant le désordre. Ah le bâtard! On me propose de continuer là? Des récompenses terniques, campagne oubliée. Des bandages. Le problème c'est que je peux pas voir l'état de mes persos, non. Ils ont pris full stress. Ils ont pris full stress, j'ai Lara que je peux pas soigner. J'ai Corvo qui commence à être un peu mal, je crois, en dégâts. Pas Corvo, Dispas. Scavenge what you can and be off once more. Ouais, on prend ce qu'on peut là et c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Ouais, Corvo, il était sur le point de faire un AVC. Dismas, il était pas si... Ouais. Bon, en vrai, j'aurais pu faire le deuxième combat, je pense. Au moins. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être dans une autre dimension, là? Oh, bon. La, la, la. Donc ça, en fait, le trouble, du coup, quand ils se détestent, j'ai eu un trouble avec, voilà, ils sont, finalement, ils sont même, quelque part, même la relation avec Lara, finalement, elle va bien, quelque part, maintenant. Mais ils étaient en trouble, ils étaient pas en haine. Là, ils se détestent. Et du coup, maintenant, elle est dans une autre dimension, elle aussi. Ouais, bah putain, vas-y, superbe. Super. Mais du coup, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de full se baiser la gueule pendant qu'ils vont jouer?
They stand guard even now. Ah. Ce qu'elle a dit, ça aurait pu être positif pour certains. C'est ça l'idée. Putain, et Corvo qui a 2 PV quoi. Bah oui, bah oui hein. Ah bah rip hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'évêque. L'évêque il va être chiant non? Il va être chiant ça. Putain mais le problème c'est que c'est le tambour de. Le joueur de tambour là, il va me rendre fou hein. Aïe aïe aïe. Je sais pas qui focus là en vrai. J'arrive pas à déterminer quelle est la plus grosse menace. Ah c'est relou. Ouais, je pense que je fais de la merde là au niveau du focus, mais bon. Allez, c'est quoi le bonus là? Que je rigole un peu? Putain, heureusement qu'il a esquivé. Hein. Mais si la cible saigne, ça faisait encore plus de... Il fait encore plus de dégâts? Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Oui, bah. Lui, il soigne évidemment. Ah, mais. J'ai mal vu ce qu'il a fait, mais il s'est pas vraiment soigné, je sais pas. C'est chelou ce qu'il a fait là. Il a récupéré le. J'ai fait quoi dans mon tour? Je me rappelle plus ce que j'ai fait, c'est terrible. Il faut que je prenne ça, moi. Ouais, 3 à 7 de dégâts, tu fais 3 de dégâts. Logique. Oui. Mais achevez les blessés, là, il y en a 2 de blessés. Tu fais quoi là? C'est quoi ta vie? Quoi ton bail? J'ai pas le... Est-ce que j'ai un pourcentage? J'ai pas de pourcentage. Hein. Donc c'est 100% et puis basta quoi. On part sur ce principe. Hein. Non me dégoûte, il me dégoûte. Non Kevin. Tu tires pas hein. Non non. Dispasse. Qu'est-ce qui se balance dans la gueule là, je comprends pas. On prend ça toi. Oui, elle va prendre. Non mais comment? Ouais c'est bon. Putain mais du coup ils pourront pas se. Oh non ils voudront pas. Ils voudront pas le heal. A tous les coups il va pas vouloir le heal. Hein. Et moi je me mets devant. À 240 de résistance au déplacement, c'est mort. Et 7, donc il prend 7 de dégâts. Il faut que je lui fasse 7 de dégâts. Enfin non, en plus en vrai ça aurait pas marché parce que... Parce que Death d'or. Yes. Ah non, son prochain tour est repoussé à la fin. Ah, ça veut... Non, d'accord, le vertige, c'est pas... Ok. C'est pas ce que je pense, en fait. Ça fonctionne pas comme je pense. Je prends le risque, il attaque, lui. Ah, il a 33%... Non, je prends pas le risque, hein. 33% de chance de résister, c'était... Non. Cassez les couilles. Rendez fou. Ouais. Toi, endors-toi, toi, ouais. C'est ça, ouais. Oh là là. C'est lui qui a mis ça?
Ça me va. En vrai, c'était une des deux choses les moins pires. Voilà, avec lui là, c'est les trucs les moins pires qui pourraient arriver. C'est quoi que j'ai raté comme info là? Non mais attendez, attends. Je veux comprendre là. C'est quoi qui fait que Corvo, il dit non Lara, j'ai pas envie, genre voilà, on est en froideur. Ah parce qu'en fait, une fois qu'il casse un truc dans la gueule, ça y est, on repart du bon côté, on repart de zéro, tout va bien. Et donc là, ils sont en froideur, donc il veut plus la soigner. Ils me rendent fou. Non mais en fait, ils sont schizophrènes entre eux, les persos. C'est trop marrant comme... Putain, j'aime trop... En vrai, j'aime trop les animations, hein. Et là, c'est que, on rappelle, on est encore sur l'Early Access, donc ça va être... j'imagine que là, on va avoir des petites différences. Bon, en tout cas... Oh. Oh, bref, merci pour le crit. Ça le déstresse pas, par contre, le crit, non. Non, ça... Ça, c'est une feature qui était un peu trop cheatée dans le jeu de base. C'est vrai que... Ouais, non, je comprends. Je comprends, c'était un peu abusé. Bon, oui, j'ai pas soigné Corvo alors qu'il est... C'est lui qui a 2 PV, hein. Oh, pendant un instant, j'ai cru qu'il allait le raise. Hein. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une blague. Hein. Mais tout va bien. Voilà. In this world, wealth is worthless without purpose. Fatigue. Il me fatigue. Je sais pas comment. Je suis sûr qu'il doit y avoir des règles en plus. Hein. Ça doit être soumis à quelque chose que tu peux à peu près maîtriser pour éviter un peu les scandales. Mais bon, pour l'instant, compliqué. L'avant-poste oublié. Combat. Nous avons du sang à faire couler. Avec impunité. Vous pouvez éviter le danger en nous dépêchant. Bah les couilles, je m'en fous. Ouais, non mais détestez-vous, y'a pas de soucis, c'est bon. J'ai compris, hein. Mais moi je veux survivre. Hein. Moi je veux juste rentrer à la maison en paix, là, parce que j'en peux plus, hein. Il est vraiment désagréable. Oh! Distance, il a full pété un câble d'un coup. Mais putain! Non, mais c'est bien! C'est bien, hein! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Silu avant l'auberge. Le rempart du néant. Arbalétrier. Non, mais en vrai, je vais arrêter de faire ça parce que ça, c'est nul. Hein. Ah, ça ignore la protection et ça ignore. Oh, intéressant. Intéressant. Tu pourrais. S'il te plaît, merci. Ouais. Prenez sa vermine. Je se déteste. Pendant 2 tours en plus, putain. C'est bon quoi. Genre déjà je fais pas assez de dégâts. Ouais, ça voilà. Putain mais les ennemis ils ont plus de cohésion que moi quoi. Au bout d'un moment j'en peux plus quoi. Ils ont réussi à rendre les combats encore plus horribles. C'est ouf quand même. Faire front. Ouais.
Ouais, ouais, focussez-le lui là, c'est bien, c'est bien. C'est bien, continuez. Ça me buff plus du coup. Après, c'est vrai que ça avance à donner un buff en précision et ça a plus l'air d'être trop trop le délire. Ça, c'est bien. Bravo. Voilà, bravo. 6. Je suis obligé. Je suis obligé de le mettre en Death d'or. Même si j'aurais pu essayer de le mettre lui en Death d'or en vrai. Peut-être plus intelligent. Sûrement. Voilà, toi c'est bon, on n'en parle plus. Continue de focus lui, c'est très bien. On va dire, parfait. Ah, là, le coup fatal, est-ce que c'est parce que crit? Est-ce que c'est parce que crit ou est-ce que c'est parce que... Ou c'est parce que le mec, le mob avait pas de résistance? J'ai pas fait gaffe. À l'arbre laitrier. Ouais, non, mais c'est bien ça. Tout cassé. Voilà, ça c'est cadeau. Toi, il faut que tu te soignes. Fatigué, vous me fatiguez. Allez, meurs s'il te plaît. Là, je tout faire moi-même. Mais putain, c'est insupportable. Hein. Oui, tu vois, t'as réussi. Ah, c'est peut-être pour ça. Hein. Peut-être pour ça qu'elle a taunt en mode ouais, vous avez vu, c'est mon poison qui a fini le truc. Bande de pécor. Mais comment ça, passer au combat suivant? Non, mais je peux pas, là je peux pas, ils sont... Là vraiment, j'en ai deux qui sont en PLS, donc non. Ça m'embête à chaque fois, hein, parce que j'ai l'impression que je passe à côté de trucs dingues, mais... Oui, non, mais oui, je sais que vous vous détestez tous, j'ai compris, hein. Compris, vous êtes tous en détestation, trouble, haine, amour, colère, j'ai compris. Ah tiens, est-ce qu'ils peuvent s'aimer? Est-ce que s'ils ont vraiment une good opinion entre eux? Ça peut faire des trucs bien. J'espère. Hein. Après, je m'attends pas à un truc de fou non plus. Par contre, là, s'il y a Corvo ou Baristan qui se prend. Non. Surtout s'il y a Corvo. Vous pouvez prendre un. Bravo, Dismas. Dismas qui joue le tombeur. Ça y est, il s'est dit tiens, on est plus qu'à une lieue de l'auberge là. Peut-être qu'il faudrait que je. Peut-être qu'il faudrait que je rééquilibre mes relations sociales. Petit bâtard. Alors qu'on s'approche toujours plus, hein, je crois, de la montagne. The roaring heart does much for the weary body. Even more perhaps for the restless soul. Ah, on est... Il y a une amitié entre... Hein? Non, mais c'est incroyable, il y a une amitié qui s'est forgée au milieu de tout ça. Source, la lame rouillée. Langue pointue. Un discours aiguisé à l'image de son esprit. Ah. Forgeron amateur. Début du tour 5% en armure. Dismas, ouais, mais... Ouais, bon. Mauvaise digestion. Austère. Préfère une vie des plus simples. Oui, bah, là, t'as mal choisi. Putain, mais c'est... Oh, pire truc, hein. Pire bail encore, hein, comme d'hab, hein. Comme toujours. C'est quoi, la lame rouillée? Ah. Pertes de flamme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça en fait? Du coup, pourquoi est-ce que j'ai semé la zizanie? Qu'est-ce qui a fait que j'ai semé la zizanie dans mon... Le groupe a atteint la lame rouillée. D'accord. On a perdu notre... Lara Croft et Corvo ont perdu leur trouble. Ils sont partis de trouble à amitié, hein. Ça, c'est beau. C'est beau cette histoire. Très bien, très bien. Comment je sors de là? Voilà. Soignez-vous!
La boutique. Spend what you can, or wealth no longer has meaning. On demande le cumul de nourriture. Ça, je sais pas trop. La nourriture, j'ai pas très bien compris encore comment ça fonctionnait là dans le jeu. Début de combat, 75% de je sais pas quoi là. Ça a l'air fort. Faut en dire un bouclier, mais je suis pas sûr que ce soit un bouclier. Listen, practice, improve. Ouais. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Donc là, ça va être les prochains. Ah! Terminer cette région sans avoir amélioré votre diligence. Ouais, bon, pour un point de maîtrise, ça, je pourrais avoir encore un coffre de stockage si je fais au moins 3 rencontres d'aide. Intéressant. Ok. Learn what can be taught. C'est où que je vois le roster? Par contre, à la limite, oui, si je veux bien améliorer. Je peux pas. Ah! Ah, parce que je l'ai déjà amélioré. Ça s'améliore qu'une fois les spells? Riposte quand la target a le... Oh! D'accord, et ça déclenche du coup un effet en plus avec le truc de combo. Bon, ça on améliore. Toi. Ah ouais, ton truc il passe à 4, plus 50 de crit quand il y a le combo. Ça reste nul, quoique c'est un peu mieux. Vous voyez, il y a une différence. Genre, à part que c'est en jaune. C'est quoi la différence? ...3-7 de dégâts... 50% de crit quand la target, ouais... 50% de... Ah! Ouais... Toi... 6 de poison. Ça augmente la vitesse aussi. Ouais. Ah, ça baisse du stress, ça. Si je l'améliore. Ouais, là, ça fait... Ça fout full... Ah ouais, non, mais ça, c'est bien. Ça, je pense qu'il faut l'améliorer. Allez. Comment je fais maintenant? Je veux... Comment on fait? Restauration de PV 25%, brigand plus 20% de dégâts dans la région suivante. Each improvement, a new variable in the equation of your fate. Putain, mais je me rappelle plus on, comment on, où est-ce qu'on trouvait. Oh, le chat. J'ai pas vu le chat. One learns quickly when survival demands it. Bon, sinon ouais, ça fait il y a beaucoup d'effets en plus de il y a beaucoup de changements à chaque fois sur les trucs, donc putain, défense x2. Ça fait un truc quand ta target, elle a... Ouais. Je sais pas pourquoi cette attaque, je la sens bien. Non, mais ça m'embête, parce que je vois pas où est-ce qu'on voit la liste des persos. Après, tutoriel. Non, le groupe. Oui, mais... oui. Bon, visiblement, je pourrais peut-être le faire une fois que j'aurai lancé le truc. Ce qui me semble que, du coup, enfin, je sais pas si j'ai pas débloqué les trucs. Ah oui, on a des infos sur... Ok, on a des infos sur un peu tout. Bon, ça, je prendrai le temps de le lire, moi, de mon côté. Hein. Oui, alors, tiens, ça fait quoi, juste? Le combat se termine et l'expédition continue. Ok. Oh putain, système d'affinité. Ouais. Mais ils me disent pas comment je gère mon stress. Hein. Si la barre de stress d'un héros se remplit entièrement, il souffre d'une crise. En maintenant halt, hein. Ouais. Maintenir G pour consulter le glossaire de marque. Ah, c'est vrai que j'ai fait peu de combats. J'ai choisi peu de routes avec des combats, donc c'est peut-être pour ça aussi que le loafing a pas baissé. Alors, je saurais pas vous dire comment on traduit loafing, donc
Je vais traduire ça très très mal par répute, hein, mais en gros, visiblement, c'est le chaos, le bien ou le mal dans la région, quoi. Choix de région, les régions ont chacune une condition, un objectif. Ouais. Ok. Eh ben, embarquons, hein. Embarquons là-dedans. Parce qu'on a des améliorations de charrette. The front lines of a war that was never fought. Ouais. Quittons l'auberge. Après, je dis, voilà, on se met en route. Évidemment, sachez que, bon, évidemment, on va s'arrêter hein, pour cette vidéo. Moi, je veux juste savoir si on peut changer mon roster. Comment je change le groupe ? Rewards only. Resignation. Je sais pas comment on fait pour changer le groupe. Condition. Ouais, on voit la map d'avant. Incroyable. Incroyable. Comment je vois mon groupe? En fait, je sais pas comment on peut... Parce que, en gros, je vous explique. Hein, il me semblait avoir vu qu'il fallait 3 points de maîtrise. Mais j'ai du mal à comprendre, du coup. Pour débloquer un personnage après. C'est peut-être pas 3 points de maîtrise, et peut-être que c'est avoir accompli 3 routes. Donc peut-être qu'on va débloquer la furie une fois qu'on aura terminé ça. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues. N'est-ce pas? Sachant que bon, en plus voilà, je fais le montage derrière et tout. Comme ça, moi ça me permet de vous sortir un peu plus rapidement aussi. De mon côté, voilà. Je vais encore faire au moins une vidéo sur Darkest Dungeon 2, hein. Donc en fait, tant que j'aurai des trucs que je voudrais savoir sur le jeu, sur son fonctionnement, on va continuer. Une fois que j'aurai fait le tour des mécaniques, on arrêtera le temps que l'early access se termine. Passera peut-être de temps en temps. Ça dépend, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'aime beaucoup. Hein. Enfin, Darkest Dungeon, quoi. Darkest Dungeon, quoi. C'est trop bien le jeu, quoi. En même temps, je voulais que je vous dise, meilleur jeu. Bon, voilà. En tout cas, non, pour l'instant, toujours... Toujours curieux de voir comment ça va fonctionner si on perd un perso. Est-ce que en gros je vais juste rejoindre un perso mais qu'il n'y aura pas d'avantage, qu'il n'y aura pas de point de maîtrise demi. Et qu'il n'y aura pas bah, notamment peut-être les nouvelles compétences que tu rajoutes à ton perso quand tu vas dans les hôtels. Ou est-ce que bah il n'y a pas de mort. Et bon bah si juste tu vas en chier parce que tu dois en finir à 3. Mais je vous avoue que je serais un peu déçu si tu peux pas perdre ton perso quoi. On verra. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours aussi bon. Toujours aussi bien. Et pourquoi il me dit que mon objectif... Ah non, mais c'est bon, oui, non, mais si, c'est bon, c'est le bon objectif. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.